Jackie, 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 allez, va, va Jackie, va. Bonsoir Trouville. Bienvenue à cette première soirée Kino. Ça fait chaud au cœur. Je suis un peu émue. Je vais demander tout de suite à nos deux parrains de monter sur scène parce que c'est hyper important. J'appelle Marilyn Canto et Patrick Bouchité à venir ouvrir ce premier cabaret Kino. Et j'appelle également Thomas Le Sourd, celui qui présente avec moi ce Kino Cabaret. Bonsoir. Bonsoir Trouville, comme disent les Québécois. Il faut parler dans le micro, sinon ça ne marche pas. Alors, c'est la première fois que je fais une présentation avec chien. Je n'en avais jamais fait, voilà. Ça c'est... Et non, je voulais dire que je ne vais pas parler longtemps parce que je suis comme vous, je suis extrêmement curieuse de voir tous ces films. Et je dois dire que c'est la première fois que j'assiste à un festival avec autant, qui a autant d'énergie, où il y a une telle effervescence, où j'avais l'impression d'être dans une ruche. Et je voudrais vous remercier. Parce qu'en fait, c'est extrêmement stimulant. Moi, ça me donne encore plus envie de faire des films, encore plus envie de tourner, parce qu'il y a une énergie qui se dégage de ce festival, qui est unique. Et je remercie Samuel et je remercie toute l'équipe. C'est merveilleux d'avoir cet espace de liberté, cette énergie. Et voilà, non, ça me donne... voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis sûre que les films sont bien, parce qu'ils ont été faits et que, quel que soit... Voilà, enfin, ils ont été faits tellement vite et dans des conditions voilà, heureuses, joyeuses. Donc, je vous félicite. Et, non, mais je vous félicite d'avance. Et je vous remercie parce que votre énergie, elle m'en donne. Voilà, merci. Alors, moi, ce que j'ai retenu, d'abord, c'est non-compétition. Ça m'intéresse beaucoup. Le côté d'avoir sous la main tout le matériel pour pouvoir faire un film, mine de rien. Ça, c'est une idée formidable. Voilà. Et je suis évidemment très excité, très curieux de voir ce que ça peut donner. Ce que c'est que le... Voilà. Je trouve ça formidable d'avoir voilà, les costumes à côté, le labo, tout ça, sous la main. C'est... Quand on était jeune, on en rêvait. Hein, je vous le dis franchement. Donc voilà, on va voir. Et pas de compétition, c'est formidable. Voilà. Merci. Bah, content d'être là. C'est pour elle. Merci beaucoup. Allez vous placer. C'est fort. C'est une belle occasion de rappeler qu'effectivement, dans le Kino, il n'y a pas de compétition, puisque l'idée, c'est l'entraide, et que forcément, quand il y a un prix à gagner, il y a moins d'entraide. De fait. On va déjà tout de suite accueillir nos amis réalisateurs. Oui, on va commencer. On a 11 films en fait ce soir. Trois films. On avait dit qu'on ne se parlait pas les uns par-dessus les autres. Mais vas-y, parle. Insupportable. Alors, on va demander aux trois premiers réalisateurs de monter sur scène. J'appelle Marie-Lucie, j'appelle Amadeus Plante et j'appelle Gatien Roudot. Rondeau. Allez, venez. Marie-Lucie Dubreuse, elle est là-bas. Alors Marie-Lucie, qui veut... On va raconter... Pour gagner du temps, on va parler à sa place. Non. Non, Marie-Lucie, qui est l'occasion de nous rappeler. Marie-Lucie, qu'on a rencontrée il y a 2 ans pour notre premier atelier Kino en Haïti, puisque Off-Court ne se passe pas que cette semaine, mais à l'année, depuis maintenant de nombreuses années, on organise aussi des laboratoires Kino. Il y a eu la Pologne, il y a eu le Maroc, il y a Madagascar depuis 10 ans.
et effectivement Haïti. Haïti depuis 2 ans, c'est toi la première, Marie-Lucie. Tu es la première à passer. On organise un laboratoire Kino avec le Ciné Institut de Jacques Mel maintenant tous les ans là-bas, et c'est toujours une expérience. En plus, je crois que quasiment tous les participants de cette année sont là pendant le festival. Oui. Et alors ? Mais tu viendras de tout parler à oui, sa du place. Oui, elle ne peut plus rien dire. Elle se sent un peu bête. Bon. Marie-Lucie, tu nous as réalisé un petit film. En fait, l'idée, ce n'est pas du tout que tu nous parles du film qu'on va voir. C'est comment s'est passée ton expérience, comment tu es arrivée à Trouville, es-tu contente d'être là ? Oui, je suis contente d'être là. En plus, c'est ma deuxième fois et c'est ma première réalisation. J'ai dit merci à Mackenzie Bellevue qui m'a aidée et puis à Pierre-Yves. Et l'autre monsieur, c'est le mixeur. Merci. Monsieur le mixeur. Bon, ok, Marie-Lucie. À toi, Amadeus. Tu viens d'où ? Comment ? Pourquoi ? Ne nous parle pas de ton film. Et ne nous dis pas qu'il n'était pas bien parce que tu n'as pas eu le temps, parce que c'est le cas de tout le monde, parce que c'est un kino. Donc ça aussi, c'est interdit. D'accord. Trop de questions à la fois. Ok, je viens de Montréal. Yeah ! La deuxième question, c'était quoi ? Une à la fois. J'ai 3 bières dans le corps déjà, alors. Comment je me suis retrouvé ici? Je suis le chouchou directeur artistique de Kino Montréal. D'autres questions? Une question? Ben non. Ben voilà. Bonjour, donc je suis très heureux d'être ici. Je vais vous présenter mon petit kino. Je suis avec des amis, avec des gens d'ici, des gens que je connaissais pas, qui sont tous très formidables. Et donc, bah voilà, voilà. Excellent. Et bien, c'est parti pour les 3 premiers films de cette première session Kino Trouville. À tout à l'heure. Festival of Course, c'est un festival où on diffuse des films, de la musique, des compétitions, bien sûr, mais c'est aussi un marché du film où on réunit des acheteurs télé, des distributeurs, des producteurs. Je m'appelle Marie, je suis en charge de l'accueil des artistes et des professionnels. Il y a à peu près 500 personnes à loger, accueillir, héberger, nourrir et déplacer. Donc ça, c'est un peu mon travail depuis le début du mois d'août. Combien de temps ils restent, quand est-ce qu'ils arrivent, parce qu'il y a aussi tout le travail de navette pour aller chercher les gens à la gare quand ils arrivent, quand ils repartent, etc. On passe de l'autre côté ? On fait la dernière déjà ? Ah ouais, non, j'ai pas envie. C'est ça. Salut, moi c'est Guillaume. Ça fait quelques années que je fais le festival, 13 ans exactement. Je suis un peu tout chez France Structeur, RGG. On a 8 personnes qui bossent ensemble. Une très bonne team. On est ravis que cette édition se passe sous le soleil. On a une équipe d'enfer. Donc, tout roule,
master en CD hyper au taquet sur toutes les distances. Et voilà. C'est pas seulement faire des films, sinon aussi de rencontrer des personnes, de faire des amis et d'aider à tout le monde. Chez Pop, on est bien bouclé, mais on peut. Pendant le festival, je m'occupe des laboratoires du grand Kino Cabaret qui se trouve donc dans notre village. La difficulté, c'est de répondre à 100 questions en une minute. Il y a beaucoup de demandes, on est beaucoup demandé, harcelé. Allô papa, ils sont sortis. Il y a plusieurs équipes qui souhaiteraient avoir le même matériel au même moment, donc il faut un peu s'arranger, un peu trancher, un peu modifier les horaires, un peu modifier les souhaits de matériel. Mais en général, on arrive toujours à s'arranger en fait. Je participe à tous les laboratoires Kino qu'on va faire à l'extérieur, à l'étranger, donc principalement Madagascar, Haïti et au Maroc. Je dirais que s'il y a quand même une difficulté à souligner, c'est celle d'avoir des étrangers qui reviennent chez nous. Parce que par exemple, cette année, encore une fois, alors que ça fait 5 ans qu'on va faire des ateliers au Maroc, on n'a aucun Marocain à Hofcourt parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des visas pour certains pays pour rentrer. Alors, je suis Mackenzie Bellevue, je viens d'Haïti. Je suis ici à Tourville juste pour le Kino et c'est une belle expérience pour moi. Comme le Kino, c'est une école d'apprendre avec la difficulté, avec rien. Forcément, il y a plein de difficultés quand on fait les ateliers, mais ça, c'est le but du jeu. Donc, tout ça est vraiment jamais un problème. C'est vraiment un endroit de création, de rencontres, d'amitié, et comme la maison. Salut papa. Ben, moi c'est Julie. Julie Jotran, je suis la fille d'Evelyne Jotran, ma mère. Je voulais faire cette vidéo pour toi parce que ben, je sais que peut-être qu'on se rencontrera jamais, mais j'ai envie que toi t'apprennes sur moi. Ben, voilà, j'ai manqué d'un père pendant 24 ans et ben, voilà, le souvenir de voir mes copines avec leur papa. Faire du vélo ou peu importe, enfin c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Heureusement j'ai pu faire quelques trucs avec maman. Ben, voilà, elle est décédée récemment et avant de mourir, ben voilà, elle m'a dit qu'elle avait été violée quand elle était plus jeune. Donc ben, je suis ici pour une bonne raison et la personne va payer. Ça y est, c'est là. C'est la maison de cette espèce de connard. Voilà, on est à la plage de Trouville. C'est tranquille, hein. Je sais que maman aimait beaucoup venir ici parce que, en même temps, elle se sentait pas vraiment à l'aise dans la ville. Mais ici, à la plage, vers la mer, tranquille. C'est apaisant, c'est...
Bon, papa. On va y retourner, là. Je pense que... C'est lui. Et vous, là? Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Attendez, j'ai l'impression que vous confondez, là, vous... Non, mais attendez, dites-moi de quoi il s'agit, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à m'agacer un petit peu, c'est pas normal, ça. Je rentre de faire mes courses, et puis vous êtes là avec votre caméra. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit, là? J'ai retrouvé le violeur, papa, mais... Mais je savais pas quoi dire. Je sais pas quoi te dire. Les côtes de la Manche, sinon c'est du très beau temps, les températures en hausse, digne d'un début du mois d'août. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Ça commence. Bonjour et bienvenue dans votre journal télévisé. À la une, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis n'ont jamais été aussi fortes. L'armement de la Corée du Nord... C'est où la Corée du Nord? Je crois que la Corée du Nord, c'est ici. Les États-Unis ont donc décidé d'appliquer des sanctions sévères envers la Corée du Nord. En fait, non. Elles ont disparu. Effectivement, les menaces reprennent. Bien. À l'heure où je vous parle, en fait, exactement à la minute où je vous parle, tout semble se calmer. Deuxième information de notre journal, les émeutes à Madagascar montent en puissance. Ah ben non, elles ont complètement disparu. Troisième information de ce journal, la guerre en Syrie. Ben non, il n'y en a plus. La pollution en Chine bat des records. Non, c'est devenu un pays très très propre. Une guerre a éclaté ce matin entre les partisans du pain au chocolat et ceux de la chocolatine. Ah mais non, au final, ça va s'appeler une croissantine. Croissantine. La Tchétchénie rentre. Bon, en gros, tous les pays sont en guerre. C'est la guerre totale, c'est la guerre mondiale, c'est... Ben, tout va bien. La paix est revenue. Partout. Tout va bien, c'est formidable. Don't worry. Yes. On peut partir maintenant. Non, sinon ça va sauter. Tout
Ce petit sketch est une sorte de devinette. Faut trouver pourquoi on fait ça. Et c'était pas mon idée. Comment ? Pourquoi on fait ça, Thomas, déjà ? Vous voulez parler du film Seigneur ? Non. Ça s'est passé beaucoup mieux que ça. Non. C'est aujourd'hui l'anniversaire... L'anniversaire de Claude Duty. Notre jury a vie à Hofcourt, donc on chante tous à Claude Duty. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Claude. Joyeux anniversaire, Claude. Joyeux anniversaire. Bon, j'avoue que je... Enfin, je pensais pas à moi en voyant le déambulateur. Ça viendra peut-être. Enfin, pour l'instant, ça va. J'ai pu monter les marches. Voilà. Merci, Claude. On t'aime. On va accueillir directement les quatre prochains réalisateurs. Alors, j'appelle. Prêt, c'est trop bien. J'appelle Sabrina. C'est pas lui. Non. Ah non, mais il partait pisser, au fait. J'appelle Pierre Gauchard. J'appelle Ambre Chambrier et... Marc... Marc Baris. Allez, venez Baris. Là. Venez vous présenter. Ils nous ont tout écrit en un seul mot, du coup, c'est compliqué à décrypter. Bonsoir, Sabrina. Alors, comme les autres, tu parles pas de ton film ? Pardon, excusez-moi. Donc, comment tu as connu Hofcourt ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi ? Comment ? Ça fait des années que j'avais envie de participer. J'avais jamais fait un film, j'en avais très envie. Et puis voilà, je me suis jetée cette année et ça a été une expérience magnifique, extraordinaire, très intense. J'ai plein de personnes à remercier. J'ai stressé, j'ai failli avoir 4 arrêts cardiaques cet après-midi parce que je perdais mon film. Mais c'était génial. Merci à Leïla qui m'a suivie pendant tout le film, Jean-Louis qui m'a fait une magnifique musique, tous les acteurs qui étaient présents, Gwendal qui m'a sauvée plusieurs fois et pendant que j'étais très agitée. Voilà, donc, et tous les autres, tous les acteurs, Amélie avec sa belle voix et voilà. Et Blanche, bien sûr, qui n'est pas là, ma belle Blanche à qui j'ai dédié ce film. Voilà. Pierre. Gauchard. Pierre. Pareil. Pourquoi je suis venu ici ? Ouais, bah parce qu'il y a des gens super et puis bah j'en ai rencontré plein. C'est tellement facile. Excuse-moi. Bravo Pierre, tu es le meilleur. Ambre, viens là Ambre. Merci. Bonsoir. C'est ton premier film ? Non. Tu as quel âge ? Non. Tes parents sont dans la salle ? Oui. Non, j'ai déjà fait des films pour le bac. Enfin, 3 fois rien. Et du coup, je suis venue ici pour dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Voilà. Merci, Ambre. Le suivant ? Ah bah oui, il en reste qu'un. Marc-Daris. Bonsoir tout le monde. Alors moi, ce n'est pas mon premier kino, hein, mais on revient tous les ans à Hofcourt parce que c'est super. C'est pour moi l'un des meilleurs kinos. Enfin, les autres sont bien aussi, mais celui-là est particulièrement sympa parce que pour l'ambiance, pour les mouettes aussi. Et voilà, j'ai fait un super film avec plein d'amis. Tout le monde s'y est joint, on était une vingtaine. C'était super et c'était très rapide. Voilà, c'est génial. Voilà, tous les gens, à chaque fois qu'on vient, c'est super. Les équipes techniques, les accessoiristes. Merci d'ailleurs à tout le monde, hein, à la musique et tout. Voilà quoi. Les présentateurs de la soirée aussi. Les présentateurs de la soirée sont très sympas. Avec un humour super. Bon,
salut. Eh ben, ouais. Allez, on regarde leur film. On se dépêche parce que ça met du temps. Ah oui, c'est vrai. Blanche. Je m'appelle Blanche. Blanche comme l'écume. Blanche comme la brume. Blanche comme une claire nuit d'hiver. Blanche comme le lait, bien sûr. Blanche était le prénom de ma grand-mère. Blanche est mon prénom aussi. Je le porte sur moi telle une jolie robe de soie. Je le porte avec une joie désinvolte et légère. Blanche est mon prénom, il caresse ma peau. Je le porte sur moi, en moi, avec moi comme un précieux cadeau. Blanche, je m'appelle Blanche. Je ne plais pas à tout le monde, mais tout le monde ne me plaît pas. Je reste moi, toujours la même, avec mes contrastes et mes nuances. Blanche, je m'appelle Blanche, comme l'écume, blanche comme la brume, blanche comme une claire nuit d'hiver. C'est moi, Blanche. Blanche était le prénom de ma grand-mère. Et vous le connaissiez ? On peut dire ça. Comment ça ? Je ne sais pas ce qu'il ferait s'il te voyait. Reste ici. Thank you.
Pour l'instant, tu es là. Et je suis là. Dans les yeux. J'ai regardé ses yeux, ses mousses déformées, le temps aussi, le temps d'un dernier regard, pour pas l'oublier, retarder son départ et faire d'une seconde un fragment d'éternité. Les démons attendaient patiemment leur heure pour ressurgir de l'oubli, impitoyable, repu de tous les souvenirs refoulés. Tout est réservé, j'attends ma femme, on a 10 petits-enfants. C'est pas du tout moi, je peux t'en aller loin. Oui, bah moi aussi. Moi aussi, je suis désolé. Voilà la question. Non. Olivier, c'est pas un prénom. Mais si, bien sûr que non. Marie, après son chien Patrick, ça t'a fait la place. Oui, j'ai pas envie de mon chien soit loin, moi. Olivier, je suis désolé, mais Olivier, c'est ton chien. Oui, c'est mon chien. Ok, donc on appelle Otis. Oui. Vous avez fini ? Oui. Merci.
Emma. Ça se met pas à la machine, ça se lave à la main, ça. C'est toi qui m'as dit de plus, Emma. Attends, ça se lave à la main. C'est moi qui l'ai dit. Non, j'ai jamais dit. Tu m'as dit, mais putain, mais t'es chiante en ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es chiante! Juste, tu me casses les couilles tout le temps. Depuis que j'ai déménagé, t'es chiante comme ça. Putain, j'ai quitté mon job de ouf à Paris pour toi. Je me suis enterrée dans le fond du trou de la campagne. Dans le fond du trou de la campagne pour toi. Et toi, t'es chiante depuis que je suis là. Franchement, tu fais chier. Ah ouais, moi, je suis chiant. C'est sur la salle, on l'a pas à la maison. On lui a mis un scotch parce qu'on nous a dit qu'il fallait plus. J'essaie de faire un mot avec faire plus le pitre et le pupitre depuis pendant tous les films en fait, puis j'y suis pas arrivé. Voilà. L'occasion pour nous de rappeler que donc effectivement tous les pays présents et avant tout la raison d'être maintenant aujourd'hui du festival qui est fait des conneries derrière quand même quand on lui fout des scotch sur la enfin bon et je vous jure on avait préparé une autre blague et au fait il y a rien qui marche. Et donc voilà, et donc un long partenariat, voilà, le Québec, le Kino, le Québec. Tu veux dire quelque chose sur les Québécois? Les Québécois, ils sont trop mauvais et... Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Il y a encore beaucoup d'autres pays présents ou censés être présents, parce que je voulais parler du Togo, mais en fait, finalement, ils n'ont pas pu venir non plus, je parlais des Marocains. Donc on a encore d'autres beaucoup pays présents. Alors on a parlé, moi je suis très content d'ailleurs d'accueillir, parce que ça fait que, on le répète assez régulièrement, il y a un partenariat depuis 10 ans avec Madagascar dont on est assez fiers. Et il y a Voir qui est avec nous ce soir, qui est le gagnant du prix du public au festival de Madagascar. Et Vivi, tu étais venue avec nous à Madagascar? Les Malgaches, c'est tous des gros... Et elle est en charge quand même des kinos à l'extérieur. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je vais appeler les gens sur la scène, puis je vais te laisser appeler les gens sur la scène. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez rappeler aussi certaines réunions. Donc j'appelle Ricardo, Alice Darmon, Yann Marito, qui n'est pas là. Et Rupert. Pourquoi il rigole? Merci de se dépêcher. Oui, s'il vous plaît. On a des remplaçants. L'occasion de rappeler que l'histoire de la région n'a pas été toujours aussi festive qu'aujourd'hui. Je sais plus. Alors, tu nous viens d'où? Pas du tout, c'est Ricardo le premier. Voilà. Ricardo? Ouais. J'avais ma connerie. Je viens du Mexique. Bravo! Je dois dire quoi, plus ou moins quoi? Ce que t'es content d'être là. Non, ici, non, très très content, c'est super touché. Non. Non, c'est super. Que l'organisation était super. L'organisation, elle est super, vraiment. Non, les techniciens, tout le monde, c'est super touchant d'être avec des gens super, super chaleureux, qui t'accueillent très bien. Donc c'est... Merci, Ricardo. Alice Darmon, c'est pareil, toi, c'est pas la première fois qu'on te voit ici. Non, je suis venue quelques fois, voilà.
chaque année, en fait. Mais du coup, j'ai décidé de revenir cette année, de tester la première session, le petit parcours du combattant en très peu de temps. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et tu viens de quel pays? Un petit pays qui s'appelle la France. Ah, super. Voilà. Merci. Voilà. Yann Marito. Yann et Marito. Voilà, je suis Yann Marito. Non, Yann Marito n'est malheureusement pas ici. On le représente. Il a donné sa perruque à Thomas en espérant que ça passerait incognito, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de défriser, mais c'est... Hein. Voilà. Du coup, on a eu quelques heures avec Yann et Maya et certains collègues. Et on a réussi à faire un petit film à nous. Voilà, en plus des vôtres qu'on a éclairés. Mais on présente ça. C'était un peu le film chapeau pour changer de rôle, pour une fois. Voilà. Surtout pour eux deux, qui sont chef-op depuis des années ici. Ok, I don't understand shit, because my French is petit. Oh. I just want to take the time to greet all people who were involved, because there were many, and I didn't take subtitles as credits. I didn't have simply as time, so I'm fast. Thanks to Fred, Aurelia, Ambjörn, Clara, Karl, Charles, Benjamin, Johan, Jennifer, Carole, Celie, Art, Julio, Gilbert, and of course, Maison Normand and Kino Trouville. And yeah, thank you. Where are you from? Excuse me, where are you from? Germany. Germany? Yeah, okay. It's funny. Oh, I'm so sorry. Such an old gag. Fin de soirée. I'm still here. Here in this brutal world. I've become now a thing of damaged flesh. A remainder of that lamentation that began. I first saw the light here under this eternal sun. How many grains of sand are there here? Thousands. Uncounted until infinity. All so untroubled. Under this sun that burns all it touches. Why? Did I not suffer the same destiny? This earth is blind, closed in on itself. Yeah. The beach is long, dude. I'm going to die, and my last cry of pain will be swallowed by this sand and be forgotten for all time.
qu'il y a? Tu viens de m'éclabousser. Ben ça va, je nageais, pas fait exprès. C'est jamais ta faute de toute façon. Allez, viens, je vais te faire un petit câlin pour me faire pardonner. Non, 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 arrêtez, tu te trompes. Va ailleurs. T'as vraiment plus d'humour, hein. Super drôle. Et laisse-moi tranquille maintenant. Là. Julien. Julien. C'est bon, on arrête de jouer là. Ok Julien, je suis désolée maintenant, arrête, viens. Désolée, j'ai un peu traîné. J'espère que tu t'es pas ennuyée toute seule. Ça va? C'était peut-être pas une bonne idée de revenir ici. Alors, 315 grammes, il y en a un peu plus, je vous le laisse quand même. Très bien, 24,90. Ah bah oui, mais faut pas vous étonner si c'est cher, hein. Et c'est du bio. Joyeuse fête. Bah, ça fait maintenant 30 ans que je fais ça. Voilà. Voilà, je suis né dedans, j'ai continué. J'ai repris la boutique familiale. Voilà, bah, je sais rien faire d'autre. J'ai toujours fait ça, et ma famille a toujours fait ça. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas bouché. Ah, c'est nourrir les gens, voilà, qu'ils aient des bons produits. Moi, je me bats pour la qualité. Maintenant, la qualité, elle a disparu. Tout est sous cellophane, tout en plastique. Le CETA là, qu'ils ont signé là, avec les Canadiens, là, bah, ça va nous tuer. Ça nous tue parce que c'est l'arrivée de l'Amérique, la concurrence déloyale.
Ça tue les petits producteurs. Moi, déjà, il y a une chose qui m'a sauvé. Hein. C'est j'ai enlevé la viande. Voilà. Ah ben, moi, je suis végétarien. Ouais. Ah non, la viande, c'est hors de question. C'est pas bon. C'est plein de choses. Puis ça tue des animaux. C'est pas gentil. Puis c'est surtout pas sain, quoi. Surtout maintenant, on sait plus ce qu'il y a dedans, entre les antibiotiques, les granulés. Maintenant, ils font manger les animaux aux animaux. C'est quand même grave, qu'est-ce qui se passe. Vous voulez savoir comment on reconnaît une bonne bête? Au poil. Regardez, touchez le poil. Ah. Hein? Ça, c'est du poil. Voilà, ça, là, vous êtes sûr de la qualité. Les légumes, ça rapporte plus que la viande. Tu prends les petites carottes, tu les mets dans le sable, hop, tu dis c'est les carottes de sable, 20 euros le kilo. Voilà. Ah oui, non, c'est un bon business. Hein? Râpé. Tu leur dis que c'est bio, les gens, ils sont contents. Bio. Ils payent plus cher bio. Alors que c'est les mêmes, hein, mais c'est bio. Vous en voulez encore? Comme ça, madame Martin? Un petit peu plus fine? Un petit peu plus fine. La clientèle, ah ben beaucoup les Parisiens. Hein. Ah oui. Ça, les Parisiens, alors ça, les bobos, là, pour, je me régale, moi. À Paris, là, je vais acheter deux boutiques. Voilà, puis je vais. On a mis un peu de sable par terre avec un peu de paille. Ah, ça, ils aiment. Hein. Tu mets de la paille, hein, ils sont contents, les Parisiens. Et alors, comment vous êtes devenu végétarien? Ah ben. C'est. Ça fait de... Bah, depuis que ma petite sœur est tombée dans la machine à steak haché. Voilà. Ah non, c'est un bon business. Je vais vous laisser parce que moi, il faut que je livre là encore. J'ai encore des navets à ramener dans le marais. Et voilà. Bah, bonne continuation, tout là. Hein? Et n'oubliez pas, mangez plus de viande. Ça rapporte pas la viande. Alors que les légumes. Lorenzo, Hannah, are you there? It's me, Stefan. Did you read my message? Are you making love? If you didn't read my message, I'm going right now to register for the Japan Working Holiday Visa Program. Yes, thanks, Stefan. Arigato. We will be there in 10 minutes. You guys are okay. See you there. What message? Some bullshit. Some Japan holiday shit. Oh. Too much beer. Gotta pee. Hold on. Here it is. Hello, Anna and Lorenzo. There is this Japan Working Holiday Visa program. I will apply. They want volunteers for the Rugby World Cup. Mm-hmm. An organization will pay for tickets. I thought of you because you dream to go to Japan and you also feel nationality and age requirement, blah, blah, blah. Nice. The Rugby World Cup. When is the Rugby World Cup? In 2 weeks, from September 20th to November
The second. Stefan says that they paid for the tickets. And we can stay up to 1 year with that visa. 1 year? Yeah. But what will we do? Are they going to pay us? And, I mean, what about sleeping? They provide the accommodation during the event, and afterwards we can live and work anywhere. You know what? I will work at One Cat Cafe. I will work at the Maid Cafe. Oh! Yeah. Get it? My passport. That's mine, actually. So, what else do we need? Nanny! I don't know where my passport is. Let's just go and apply. Without my passport? We will say that you just heard today about this, and your passport is still being processed. This is not a lie, is it? Stefan sent the message a week ago, but I just read it, so it's not really a lie, but what about the passport? I will go to this organization, and you will go to this foreign affairs office to ask for one. Okay? Yeah, let's go. Yeah, I'm in a queue with two forms. They're not really friendly, those losers. So, will you make it on time? Yeah, they were nice. I explained my situation and they issued the passport in the 2 days, so I get it for the 20th of September. Yeah, I'm coming as fast as I can. Hey, did you meet Stefan? Perhaps he's more ahead in the queue? No, I guess he's in the other room. Why don't you call him? I don't have his number. Maybe he hates me. I think he's a weirdo too. Okay. I text him. See you. Matane! Stefan, are you at the organization? Lorenzo is there too. Please, search for him. Please, I'm coming as fast as I can. Oh, fuck. I can't stand it anymore. Oh. Kimoshi. Where have you been for so long? It's over. They closed the application just some seconds ago, and I couldn't find you. Don't be sad. You know what? We can apply for the Olympics in 2020. I'm 29. You're already 30. And so? The age limit for the Japan holiday visa is 30. So in 2 years, we'll both be too old.
Eh bien voilà. On n'a plus de sketch, enfin normalement, mais je crois que Thomas en prépare un dernier. Juste pour vous dire qu'à 23h, à la Guinguette, vous avez un ciné-concert. C'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait annoncer qu'à la Guinguette, il allait avoir un ciné-concert. J'ai pas participé à celle-là, moi. Non, non, c'est que donc, moi. Donc, ciné-concert de Gablé à 23h à la c'est Guinguette. C'est que ma blague. Merci à tous, merci à tous les techniciens, tous les gens qui ont participé. On se retrouve mardi soir pour la deuxième soirée qui. Ou avant, hein, si vous passez par là, on est là de toute façon, donc il n'y a pas de... Tu devrais changer de métier, toi. Je vais te faire des bandes-annonces. Ce que je dis depuis le début. Allez, merci tout le monde, bravo, et à mardi soir pour la deuxième.